Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour le signe des Gémeaux concernant le week-end des 9 et 10 mars 2024. Alors mes Gémeaux, vous allez être vous sous le signe de la rose qui a pour symbole la créativité. Hein, donc beaucoup d'imagination, beaucoup de, comment dire, peut-être d'idées, de projets. J'entends qu'ils ne sont pas forcément les bienvenus, hein. Donc on va voir dans votre tirage ce qu'il en est. Un tirage en deux cartes, hein, d'un même oracle. Et puis pour terminer, en bonus, un petit message évidemment bienveillant et positif. Allez, on y va pour la guidance. Alors on a l'arbre en croix avec la carte donc, qui est retournée. Et on a la protection. Oui, alors vous avez beaucoup de chance, vous, hein, parce que il se peut que pour certains d'entre vous, vous n'hésitiez pas à travestir la vérité, j'entends. Vous n'allez pas manquer d'imagination pour. On parle clairement de mensonges, hein, là, de mensonges. Vous n'allez pas mentir tout le week-end, hein, mais. Il va peut-être vous falloir des trésors d'imagination pour cacher quelque chose à quelqu'un. Hein? Voilà, donc l'arbre en croix, c'est ce mensonge. C'est ce que vous avez fait, hein, évidemment, qui n'est pas forcément... que vous voulez garder secret, en tout cas. Et la protection, c'est que ça va fonctionner. Vous avez de la chance, hein, sur ce coup-là. Hein? Mais voilà, c'est pas forcément quelque chose c'est pas forcément quelque chose, vous serez pas forcément honnête, hein, ce week-end. Alors, vous mentirez peut-être par omission, vous mentirez peut-être pour protéger quelqu'un, ou pour vous protéger vous-même, évidemment. Alors, évidemment, on peut parler d'adultère, hein, c'est certain, mais pas que. Si vous avez dépensé de l'argent à un casino, vous ferez en sorte que votre conjoint ou conjointe ne la prenne pas. Vous avez peut-être fait une virée quelque part, vous ne voulez pas que ça se sache. Voilà, vous avez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un et vous ne voulez pas non plus que ça se sache. Enfin, voilà, des choses qui sont peut-être pas forcément banales, mais... qui sont pas si graves que ça, hein. On parle pas on parle pas de choses trop répréhensibles, on va dire, illégales. On va pas parler de choses illégales, d'accord, mais c'est plus le mensonge parce que vous voulez garder des choses secrètes, hein. Écoutez, après tout, et c'est en cela, hein, que la créativité, elle vient vraiment vous nourrir, parce qu'il vous faut des excuses, hein, il faut quelque chose de plausible pour pouvoir gérer ce mensonge. En fait, je ne trouve pas d'autre mot que le mot mensonge, hein, donc peut-être trahison éventuellement, mais voilà. Hein. L'arbre en croix, généralement, c'est que les choses sont finies, c'est qu'il y a quelque chose... de pas clair, de pas très sain, hein. Là, ce sont des planches cassées quand même, donc on voit que vous le faites volontairement, hein, par contre, hein. Vous le faites volontairement, vous savez très bien que vous cachez quelque chose, que vous ne voulez pas que ça se sache, hein. C'est pas, c'est complètement volontaire, hein. Bon, écoutez, hein, puisque ça semble fonctionner pour ce week-end, je mets quand même un bémol, hein, parce que effectivement, ça va fonctionner pour ce week-end, mais il n'est pas dit que dans l'avenir, que votre mensonge ne soit pas révélé, hein, ou que vous ne vous trahissiez pas vous-même d'ailleurs, hein, parce que ça, c'est tout à fait possible. Hein. Voilà, donc après, chacun prend ses responsabilités et comme je dis, voit midi à sa porte. Hein. Je ne porte aucun jugement, bien évidemment. Vous faites comme vous pouvez avec les moyens que vous avez, mes amis Gémeaux. Allez, on y va pour... la trahison.
Je suis désolée, hein. Enfin, je suis désolée, non, pas vraiment, parce qu'en fait, ben, c'est vrai que mes cartes, elles se parlent entre elles. Donc, ben voilà, hein. 4h40, la trahison. Ben, écoutez, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Bah pour vous, je vais le lire une deuxième fois celui-là. Tiens, une fois n'est pas coutume. 4h40, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Voilà pour votre message. Donc, ben écoutez, hein, faites comme vous pouvez, faites comme vous voulez. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Voilà mes amis Gémeaux, sur ce que je pouvais dire de votre tirage. Bye bye. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end des 9 et 10 mars 2024. Concernant le signe du Capricorne. Voilà, donc je vous montre votre signe, mes amis Capricorne. Et on va voir ensemble et tout de suite les énergies principales qui vont vous accompagner tout au long du week-end. Hein. Alors, c'est les énergies de l'encens qui a pour symbole, enfin qui ont pour symbole hein, les énergies de l'élévation. Donc c'est plutôt joli, hein. L'élévation, c'est vraiment qu'on grandit, qu'on s'enrichit, qu'on s'élève, qu'on a plus confiance en soi. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir dans votre tirage ce qu'il en est. Un tirage en deux cartes avec enfin, deux cartes d'un même oracle. Et puis, en bonus, je vous propose un petit message positif, bien évidemment, et bienveillant, hein, de préférence. Allez, manipulation. Mais pas d'inquiétude, la carte est à l'envers. Les émotions. Et la carte est à l'envers. Bon, alors là, vous n'allez pas faire dans la demi-mesure, hein. Vous allez refuser toute forme de contrainte ce week-end. OK? Là, il n'est pas question qu'on vous dise quoi faire, comment faire, où aller. Voilà. Ça va être niette. Hein. Quand je dis que vous ne ferez pas dans la demi-mesure, c'est que vous, comment dire, vous ne ferez pas dans le sentiment. Peu importe de qui ça vient, vous ne serez pas très obéissant, vous ne serez pas très malléable, vous ne serez pas, voilà, comment dire, très malléable, oui, très. Vous ne serez pas, comment dire, au contact de l'autre. Hein? Alors, je m'exprime mal, mais vous n'aurez pas vraiment de complaisance pour. On sent qu'il y a un ras-le-bol. Hein? Et puis, si vous le faites, vous savez qu'il est temps de dire stop. Il se peut que vous arrêtiez aussi une relation. Hein? Voilà, une relation qui vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Là, on peut fa facilement parler de perversion narcissique. Il y a des personnes qui vont avoir un déclic hein, ce week-end où vous êtes peut-être déjà séparé de la personne toxique et elle essaie de revenir un peu vers vous, mais de manière insidieuse. Si vous avez des enfants en commun, voilà, ça par le biais des enfants, mais avec vous, ça va pas fonctionner. Hein. On sent que vous avez vraiment pris de l'assurance, hein, quelle que soit la configuration. Vous avez pris de l'assurance, en tout cas, vous allez en prendre et vous allez vous affirmer quelque chose que vous ne faisiez peut-être pas jusqu'à présent. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. On est vraiment dans de très très belles énergies. Hein. Alors, sans parler vraiment de perversion narcissique, on voit que vous ne vous laisserez pas manipuler. Justement, ça peut être un ex ou une ex, voilà, qui vient pleurnicher ou qui vous fait des reproches ou qui essaie de vous apitoyer par rapport aux enfants, etc. Peut-être à sa situation. Ça peut être tout simplement un ami, hein, une personne de votre entourage, un frère, une sœur, voilà, enfin, quelqu'un qui espère, comment dire, vous tirer la larme à l'œil, j'entends, et profiter un petit peu de vous, hein, que ce soit
Juste par rapport à la compassion, peut-être qu'il ou elle a besoin de vous. Ça peut être aussi un moyen financier. Ça peut être un ex-conjoint ou une ex-conjointe qui vient voilà, en essayant de s'excuser platement pour des choses qu'il vous a fait ou qu'elle vous a faites. Mais vous, n'y êtes. Hein. Vous, c'est là, vous êtes en train de grandir vraiment, de vous rendre compte. Vous vous êtes rendu compte déjà. Il y a un déclic qui se fait ou qui s'est déjà fait. Et là, vous gardez votre ligne de conduite. Hein. C'est stop, hein, c'est non. On dit non, là, vraiment. Mais quel bonheur, mais quelle confiance vous avez en vous. Vous avez vraiment. Ça n'a peut-être pas été facile, ce ne sera peut-être pas facile de dire non, mais là on sent que vous êtes prêt ou prête maintenant pour ça. Hein. Donc, et l'élévation, mais vraiment vous vous sentez vraiment plus fort. Hein. L'élévation, c'est la force et le courage là pour vous, d'accord? Donc on est vraiment bien. Hein. Et la personne qui essaie de tirer un peu les ficelles, là, elle peut très bien être aussi dans le domaine professionnel. Hein. Un collègue, une collègue, je vois pas trop comment dire, le côté hiérarchique, hein, tout ce qui est chef, patron, etc. Ça se passe plus au niveau des collègues de travail, là. On sent que, voilà, vous en avez assez, hein. Vous en avez assez bavé aussi pour certains d'entre vous. Et certaines d'entre vous, et là maintenant, c'est non, c'est chacun se fait sa vie de son côté et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Hein. C'est pour ça que je dis que vous n'allez pas hésiter à trancher dans le vif et qu'il n'y aura pas de demi-mesure avec vous. C'est-à-dire que vous n'hésiterez pas à rompre la communication, à raccrocher au nez d'une personne si vous êtes en communication, à laisser en stand-by les mails ou les SMS qu'il ou elle pourrait vous envoyer, voire même aller jusqu'à une rupture définitive de contact. Dire non, maintenant ça suffit, je te veux plus dans ma vie, je veux plus avoir de contact avec toi, c'est terminé. Hein. On sent qu'il y a une belle résolution là, hein. Vraiment quelque chose d'extrêmement fort dans votre tirage. Hein. Donc c'est vraiment très très bien, hein, mes amis Capricorne. Hein. 10h10 pour vous le message, hein, donc c'est la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. 10h10, la sortie de route. Donc je vous laisse mettre en pause la vidéo pour pouvoir vous imprégner et relire le message. Voilà, donc là, on vous met en garde peut-être pour une attitude qui serait peut-être trop excessive, mais comme vous êtes dans l'émotion, comme vous êtes, vous en avez quand même vu pas mal, là, on ne pourra pas vous en vouloir si vraiment vous dépassez un petit peu les limites. Hein. Là, c'est plus, un message d'alerte par rapport à votre attitude. Mais parce que c'est une très bonne idée hein, que de vous débarrasser de gens voilà, qui sont pas bons pour vous. Après, et d'ailleurs, quand on dit que vous le faites avec un charisme impressionnant, on est dans l'élévation, on est dans la force et dans le courage, là, hein, très clairement. Donc, voilà. Après, il faut quand même faire attention que vous ne mettiez pas tout le monde dans le même panier. Hein. C'est surtout ça, j'ai envie de dire, sur ce que l'on veut vous alerter. Hein. Voilà, donc après, vous faites comme vous pouvez avec les moyens que vous avez, bien évidemment. Voilà, mes amis Capricorne, je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à très très vite. Bye bye! Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, donc celui de ce week-end, hein, des 9 et 10 mars 2024. Hein. Et on va voir ensemble le signe du Verseau. Voilà, votre carte, mes amis Verseau. Alors, en termes de tirage, eh bien, nous allons voir déjà dans un premier temps les énergies principales, qui sont les énergies du vétiver. Et le vétiver a pour symbole l'ancrage, la solidité. Alors, vous êtes peut-être
dans une situation un petit peu délicate en ce moment et vous avez besoin de vous sentir plus en sécurité, hein. J'ai l'impression que ça se situe plus au niveau peut-être relationnel, quoi qu'on dit professionnel aussi. Au travail, vous avez peut-être peur de perdre votre emploi. Pas forcément parce que vous travaillez mal, hein. C'est pas ça le problème, c'est plus parce que votre société est peut-être en difficulté, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou alors vous êtes en CDD et vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé, hein. Donc voilà, on sent qu'il y a une certaine instabilité, une certaine insécurité, hein. Voilà, pour vous, notamment financière, j'entends. Vous perdez votre travail, c'est une perte d'argent et c'est un petit peu compliqué. Émotionnellement parlant, vous n'êtes peut-être pas très en phase avec votre partenaire de cœur, partenaire de vie, partenaire, voilà. Vous craignez peut-être que votre relation prenne vraiment l'eau, hein. D'ailleurs, c'est assez marquant parce que le Verseau quand même, hein. Même si votre élément c'est l'air, le Verseau, vous êtes votre symbole c'est une cruche avec de l'eau qui s'en échappe. Et ben voilà, justement, on a l'impression que vous naviguez presque en eau trouble, j'entends. Oui, c'est vraiment un rapport avec l'eau, hein. C'est ce que je ressens. Bon, allez, on va voir ce qu'il en est dans votre tirage. Parce que rien qu'avec les énergies principales, déjà, on a déjà beaucoup de choses, comment dire, de dites, hein, de proposer. Donc le tirage, c'est un tirage en deux cartes, avec en bonus, après, hein, évidemment, la guidance, le message bienveillant et positif. Ah bah les ruines, hein, bah oui, c'est ça. Hein, ouais. On se sent très instable parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé là, hein, dans quelle que soit la situation. Hein. Oh bah oui, la clarté, la créativité. En plus, moi, la clarté, hein, je vais prendre le premier qui vient là. Parce que c'est vrai qu'il y a des mots sur les cartes souvent, mais c'est au ressenti. Hein, et la carte, je l'ai trouvée en plus à l'envers. Moi, la lumière, ouais, mais c'est ça. Hein, vous vous sentez ce week-end. Il y a des choses qui vous travaillent et vous ne vous sentez pas serein ou sereine. Vous avez peur de l'échec, vous avez peur d'une éventuelle rupture, qu'elle soit, comment dire, en lien avec le travail ou avec votre vie personnelle. Hein. Comme si vous étiez un peu sur le fil, en fait. Donc là, l'ancrage, pour moi, l'ancrage, c'est l'instabilité. Hein. Vous auriez besoin d'être rassuré, qu'on vous rassure vraiment. Vous avez besoin d'être réconforté, hein, d'avoir une épaule pour vous confier ou d'avoir des réponses que vous n'aurez pas forcément d'ailleurs hein, ce week-end. Une discussion avec un conjoint, une conjointe, voilà, ça ne va pas forcément être possible. Pour le boulot, c'est pareil. Si vous êtes seul et que vous êtes peut-être dans les premiers rendez-vous, hein, où vous allez peut-être justement avoir un premier rendez-vous ce week-end, on va vous laisser dans l'expectative en fait. Hein, vous n'allez pas savoir si la personne en question va avoir envie de vous revoir ou pas. Hein, on sent qu'il y a vraiment un flottement là. Autour de vous, autour de vos énergies, qui va faire que vous n'allez pas savoir comment vous positionner. Hein. Voilà pour votre tirage, mes amis Verseau. On sent que c'est le flou. Hein. La clarté à l'envers, là, c'est le flou. Hein. Évidemment que du coup, vous allez passer peut-être un week-end un petit peu longuet, un petit peu à vous faire du souci, à ruminer, à ressasser un petit peu tout ça. Hein. Donc voilà, ça va être un week-end qui va vous prendre quand même un peu d'énergie. Hein.
Voilà, vous risquez de vous sentir un peu fatigué. 2h20, on vous donne une bonne nouvelle. Ben, ça, c'est quand même bien. Hein. Ça tombe à pic, hein. Elle tombe à pic, cette carte, pour vous. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. C'est un vrai message d'espoir hein, qu'on vous donne. Hein. 2h20, la bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Donc là, on peut vraiment constater que si vous gardez vraiment confiance, en fait, hein, si vous gardez confiance, les choses vont vraiment s'arranger positivement pour vous. Hein. Voilà, mes amis Verseau, bah, écoutez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. Bye bye. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui avec le signe de la balance, on va dire, pour les énergies de ce week-end, hein, des 9 et 10 mars 2024. Alors, on va commencer tout de suite par les énergies principales qui sont vraiment absolument magnifiques. Parce que vous serez, mes amis balance, sous le signe de la bergamote qui a pour symbole la prospérité. Donc, on voit que tout ce que vous allez faire, en fait, au cours du week-end, tout ce que vous avez prévu, eh bien, va se réaliser et ça va vous apporter beaucoup. Hein. Un véritable enrichissement personnel. J'ai presque envie de dire que vous allez vous sentir vraiment valorisé, hein, important ou importante. La prospérité, c'est que tout ce que vous touchez, en fait, va se transformer en or, hein, presque. Donc, faites donc de nouvelles rencontres, j'entends, qui vont être pas forcément amoureuses, hein, mais bien sûr que ça peut être le cas, mais des relations qui vont vraiment vous apporter, vous apporter vraiment quelque chose, hein, aussi bien émotionnellement que, j'ai presque envie de dire, culturellement parlant, hein. Vous allez rencontrer des gens qui seront particulièrement cultivés ou en tout cas qui vont vous apprendre des choses que vous ne savez pas. Hein. On est un peu sur de la culture là, vraiment sur de l'apprentissage, hein. Enrichissement culturel j'entends. Mais et ça, ça va vous faire grandir, hein, d'avoir plus de connaissances. Vous allez avoir un regard éclairé, j'entends également, sur une certaine situation. Vous allez peut-être vous confier à quelqu'un ou discuter comme ça d'un sujet et puis ça va résonner sur une histoire personnelle, enfin sur une problématique que vous rencontrez actuellement et là vous allez avoir une solution qui va venir à vous, en tout cas un début de solution, une idée, quelque chose qui va vous faciliter la vie. Et là j'entends depuis tout à l'heure le mot synchronicité, hein. Vraiment, c'est ça, hein, une musique que vous allez entendre à la radio, une information, vous allez lire un journal ou une publicité, vous allez avoir un mot, deux mots ou peut-être voir quelque chose qui vous intéresse et vous allez dire, bah là, c'est complètement ce qu'il me faut à ce moment-là, quoi. Hein? Donc, voilà, ça peut être une personne aussi que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous pensez à elle et voilà, elle va se matérialiser sous la forme d'un coup de téléphone, d'un message écrit via les réseaux sociaux ou pas. Voilà, oui, ça va vous faire penser à une musique que vous aviez en commun. Ou en tout cas, voilà, la prospérité, elle en dit vraiment long. Déjà pour votre week-end, sur vos énergies et surtout sur l'ensemble de votre tirage. Alors, on va voir comment tout ça va venir s'intégrer. Mais pour moi, la synchronicité, elle est vraiment très pointue, très présente. Alors, les choix, dans un premier temps, les directions, les choix. Ah ben, voilà, les messages. Qu'est-ce que je vous disais? Les messages, messages synchronicité, hein. Alors là, on est en plein dedans. Des messages, faites attention aux signes que l'univers peut vous envoyer. Hein. Et ben, c'est ce que je vous disais. Hein. Un message dans un livre, une parole,
comment dire, un son, une odeur, voilà, qui peut faire vraiment, qui va vraiment résonner en vous et qui va vous aider surtout à résoudre une problématique, hein, quelque chose qui vous travaille en ce moment, peut-être même inconsciemment, et vous allez vous dire, mais voilà, mais c'est ça. Il faut que je fasse comme ça, il faut que je procède comme ça, ou au contraire, ah bah tiens, j'avais prévu de faire ça, mais ça va être différent parce que j'ai cette nouvelle idée. Hein, j'ai comme un déclic en fait qui va vraiment venir résonner. Hein, qui va, et là, le choix des directions, ben, je viens d'en parler. Hein, c'est de trouver cette solution, puis on y va, ou au contraire de se dire, ben, j'étais partie dans telle direction, ça va pas, je fais marche arrière, ou je prends un nouveau chemin, hein, je fais d'une autre manière. On voit que voilà, les synchronicités ce week-end, message, hein, message d'une personne que vous allez, comment dire, que vous allez voir ou revoir, mais que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, par contre, hein. Donc voilà, on est plutôt, bah, j'aime bien dire cette expression quand les tirages me parlent, qui sont positifs, on est plutôt pas mal, hein, mes amis Balance, pour, comment dire, pour ce week-end. Je vais aller un peu plus dans la spiritualité d'ailleurs, quand je dis faites attention aux synchronicités, ça peut être aussi des messages que vos défunts vous envoient. Et là, on me dit, oui, c'est important, une plume blanche ou une plume peu importe la couleur en fait, j'ai envie de dire, hein. Ça peut être le prénom d'un défunt. Vous allez peut-être avoir la sensation d'entendre sa voix, ou quelqu'un qui s'appelle du prénom de votre défunt. Vous allez vous retourner parce que voilà. Il y a aussi ce côté très spirituel, hein, des personnes qui pensent à vous, qui ne sont plus avec vous physiquement, mais qui pensent à vous et qui peuvent se manifester par des petites choses comme ça, hein, des petites synchronicités, parce qu'on en revient toujours à la même chose, la synchronicité. Alors la synchronicité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous pensez, je vous donne un exemple, mais bon, j'en ai donné 50 là déjà. C'est en fait que quelque chose se matérialise alors que vous venez d'y penser, ou qui est en lien avec quelque chose qui vous occupe l'esprit en ce moment, d'accord? Donc, si vous pensez à quelqu'un qui n'est plus avec vous, ben, il peut se matérialiser de différentes façons, hein. Voilà, donc je disais une forme de nuage dans le ciel, ça peut être un parfum, encore une odeur, voilà, un lieu, etc. Voilà, et si c'est quelqu'un ou une problématique, eh ben, ça peut être un mot, ça peut être aussi un son, ça peut être, voilà, qui vont pouvoir débloquer une situation, ok? Donc voilà, hein, on est sous le signe de la synchronicité pour vous, mes amis Balance, pour ce week-end. Et la prospérité, elle est là vraiment pour vous aider justement à débloquer quelque chose, hein. Il y a peut-être beaucoup de souffrance, beaucoup, comment dire, de larmes, je vois de larmes et de chagrin par rapport à une personne que vous avez perdue. Et le fait justement d'avoir des signes comme ça qui vous rappelle cette personne, va vous faire énormément de bien et vous serez beaucoup plus apaisé. Hein. Donc c'est très important. C'est un tirage qui m'émeut vraiment beaucoup. J'ai un deuxième. C'est le deuxième tirage que je fais là pour ce week-end qui me prend vraiment. J'ai presque envie de dire à la gorge, tellement il est prenant. Hein, donc voilà. Et le vôtre en fait partie, mes amis Balance. Bah écoutez, profitez, profitez, profitez. Hein. C'est très très bon pour vous. Allez, 18h18 pour vous le message, c'est la réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as.
Voilà pour votre message. Donc, je vous laisse mettre en pause si vous voulez vous en imprégner et le relire surtout. C'est la réalisation. Hein. Donc, il faut simplement être reconnaissant de la chance qu'on a pour pouvoir recevoir l'abondance. Donc, voilà, l'abondance, la prospérité, vous avez quand même un super week-end, hein, un super, comment dire, les énergies, elles sont vraiment très positives pour vous, hein, très enrichissantes. Hein. Voilà, mes amis Balance, bah écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Bye bye!